avant de rejoindre l'École nationale supérieure des arts décoratifs, où tu es rattaché au Collège de Lyon, parce que théorie et secteur design textile et matière. Alors, je ne sais pas, il ne mentionnait pas lorsque j'ai regardé ton doctorat en quoi exactement il était. Histoire de l'art contemporain. Et j'ai travaillé sur un peintre américain, auteur de monochrome notamment, qui s'appelle Bryce Marden. D'accord. Qui est mort cette année. Ah, Tu avais pu le rencontrer ? J'avais pu le rencontrer, oui. Et donc j'ai vu que tu donnais là-bas aux Arts Déco un cours sur déconstruire l'histoire de l'art. Et que tes champs d'investigation, c'était l'abstraction, le champ féministe. Et tu t'intéressais au lien entre textile et art déco, les liens entre, les dialogues entre abstraction textile et genre, et que tu avais participé à un projet Chères Sœurs, où c'était donc justement étudier la place des femmes dans l'enseignement ou dans la réalisation des arts décoratifs. Absolument. Merci beaucoup pour cette présentation hyper complète. Et enfin, te dire que je suis vraiment très très heureuse pour nous que tu aies accepté de donner cette conférence qui, on le voit, ouvre vers d'autres personnes. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche par rapport à ce cycle de conférences, c'est d'ouvrir l'espace de la rencontre, pas qu'une vision théologique, spirituelle, mais aussi une vision artistique et existentielle qui rejoint forcément de toute façon la théologie et le spirituel, mais c'est une autre porte en fait. Et voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Géraldine pour cette invitation. Je renvoie les remerciements. On avait parlé ensemble, discuté comme ça de ce champ d'intérêt, de recherche qui est le mien. C'est un de mes champs de recherche, les liens entre les textiles et la mémoire. Et l'idée, c'était de faire suite aussi à ta conférence lors de notre dernier rendez-vous qui portait sur Christian Boltanski et le vêtement et le textile. Et donc, c'est son sujet aussi, textile et mémoire. Et donc là, je vous remontre deux images qu'on avait vues la dernière fois, réserve de 90 du Centre Pompidou, et puis la grande exposition Personne, qui était donc temporaire au Grand Palais, lorsqu'il y avait ces événements monumentaux qui étaient organisés chaque année. Et j'y ai joint, là, dans la légende, une citation que tu connais sûrement de Christian Boltanski. La photographie de quelqu'un, un vêtement ou un corps mort sont presque équivalents. Il y avait quelqu'un, il y a eu quelqu'un, mais maintenant, c'est parti. Donc, qui dit bien, là, le projet. Bon, évidemment, là, ce sont deux œuvres qui, de manière très explicite, font référence à la Shoah. Et qui sont, il le dit aussi, on a simultanément une présence et une absence dans le même texte. Il y a à la fois des objets et le souvenir de sujets. Et c'est cette coprésence d'objets, de sujets que je trouve particulièrement forte dans ces œuvres où le textile est vraiment un corps en creux. C'est-à-dire qu'on a l'absence du corps et quand même son évocation très forte avec une dimension, parce que ce sont des textiles très quotidiens qui ont été utilisés. Il y a une empathie possible et une proximité avec le spectateur qui passe par plusieurs sens, on l'avait dit. C'est cette question du textile et de la mémoire, elle traverse les réflexions de nombreux artistes et designers aussi, et designeuses, parce que le textile est vraiment lié à la question du temps et à l'enregistrement du temps. On l'a là de manière très belle. Alors, dans le travail d'une artiste, Pierrette Bloch, à laquelle j'avais consacré mon master, donc ça me fait plaisir de mettre ton master et mon master côte à côte. C'est une artiste qui est morte aussi il n'y a pas très longtemps. Également, on peut dire qu'il y a un lien, même si elle ne le mettait pas du tout en avant, à la Shoah. Elle était d'origine juive et elle a pu se réfugier en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais son travail, d'une certaine manière, en parle de manière extrêmement discrète. C'est une œuvre abstraite qui est sur papier, et aussi elle utilise du crin qu'elle boucle. Alors elle réalise des mailles et puis beaucoup de fils qu'elle appelle sculptures de crin. Et qui sont très longs, celui-là, enfin, on a la mesure, c'est
4 mètres quasiment, et elle tourne son fil de crin sur un fil de nylon en faisant des nœuds, des boucles, et dans un temps très très long de réalisation, et qui est comme une, c'est bien sûr quelque chose qui a à voir avec la musique, avec l'écriture, mais qui est comme une espèce de, il y a quelque chose de, je ne sais pas, sismographique aussi, d'enregistrement, quelque chose se joue à la fois dans le fil et dans son ombre aussi, qui parle donc toujours de présence et de disparition. Et dans le champ du textile, le geste est long par rapport à d'autres pratiques artistiques, que ce soit en tissage, en maille, en broderie. Le temps de la réalisation est qui est un temps souvent lié au champ du féminin. C'était le temps de l'attente, souvent. C'était aussi une forme de discipline. Qu'est-ce qu'il y a ? Pénélope, absolument. Oui, et la mythologie s'en est emparée. Et c'était aussi l'idée pour les jeunes filles, c'était une technique disciplinaire. C'était aussi pour les tenir loin de toute tentation. Enfin, il y avait cette idée-là. Mais c'était aussi, voilà, la question de l'ennui, elle est aussi présente. Et la méditation est présente dans le champ du textile, dans le temps et dans le geste aussi. Et puis, si, chez Boltanski, le textile, c'est une surface qui a ce pouvoir, ce rapport à la mémoire, parce qu'il est au contact du corps. Donc, c'est une surface en contact. Et il est aussi, le textile, en contact avec le monde extérieur. Donc, et ça, par exemple, ce qui intéresse un artiste, Adrien Vescovi, qui est près de ma génération, donc qui est né au début des années 80, lui, et ce sont des textiles, parfois des draps qu'il récupère. Donc il y a aussi ce côté lié au quotidien. Et il leur fait vivre des expériences, enfin, il les soumet aux intempéries. Donc on a des photos où il les accroche sur des murs à l'extérieur et soumis à la pluie, à la lumière, à la neige, puisqu'il... Il fait ça sur des montagnes de textiles qu'il a au préalable teint. Enfin, c'est des textiles teints et ensuite soumis à la force des éléments, on peut dire. Et donc, il enregistre d'une certaine manière, enfin, du côté de l'usure, qui enregistre. C'est aussi une forme d'enregistrement du temps par le contact avec le monde. Et donc là, je vous montre deux œuvres assez récentes, une qui était présentée à Lyon, dans un petit centre d'art contemporain, et puis une qui était présente au Palais de Tokyo. Et donc les titres même renvoient à la mémoire et à la question aussi du paysage. C'est d'une certaine manière un paysage textile recomposé par la... Mais on a des évocations aussi d'autres choses dans le champ du textile. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tente. Et puis là aussi, c'est une image qui revient beaucoup dans l'art contemporain, ce qu'on fait pourtant moins peut-être aujourd'hui, le linge suspendu sur des fils et tout ce que ça peut évoquer comme espace de projection aussi, à la fois du côté de l'enfance et de la mère. Oui. À hauteur, combien, 3 mètres, 4 mètres ? Oui, on passe dessous, parce que ça, j'ai un souvenir d'y avoir été, on rentre vraiment dedans. Oui, c'est très haut. Von Brandenburg, oui, tout à fait, qui aussi fait des espaces immersifs, quoi. Ouais. On est dans le textile. Absolument. Il y a eu des événements, par exemple, dans un endroit comme celui-là. Est-ce qu'il y a eu des happenings ? Des performances. Des performances. Ouais, je pense. En tout cas, le rapport entre l'humain et puis la monumentalité. Je crois que c'était offert aux spectateurs, mais que c'était pas. Enfin, ça faisait pas partie d'une performance qui pouvait avoir lieu à certains moments. Ça pourrait. Je pense que dans son idée, c'est plus abstrait. Donc c'est plus vraiment. Par exemple, celui de gauche, c'est très très théâtral. Ah oui, toi tout de suite, tu projettes Une scène. C'est toujours le cas. Ouais. Hein. C'est vrai. Les hommes se proplaisent et ça prend pas, quoi. Alors que là, il y a suffisamment d'entrée-sortie, de surprise, etc., selon les endroits, qui fait qu'on a un champ des possibles. Le côté paysage à échelle humaine crée en fait un décor, enfin il y a quelque chose de... C'est comme dans un théâtre, hein. L'espace a le même genre de volume.
petit peut-être. Non, mais tu as raison. Je pense que c'est vraiment pensé pour le corps et donc pour qu'on y circule, donc qu'on l'habite. Quoi. Alors ça, l'idée que le textile peut être un marqueur d'un temps, enfin on peut dire qu'on l'a ça chez, on a ça chez Boltanski, l'idée de donner par le textile une image, l'image d'une époque, d'un moment, et violemment douloureux. Mais ça peut être aussi le textile, un outil pour représenter une époque qui serait comme, qui serait au contraire vécue comme étant un moment de liberté pour une certaine catégorie sociale. Et ça, c'est le cas dans ces textiles, en fait, qui sont assez étonnants parce qu'ils se trouvent à la Bibliothèque nationale de France, dans des livres, ce qui permet une conservation assez exceptionnelle des échantillons. Et en fait, c'est le projet d'un homme qui était un libertin et un homme de la haute société du XVIIIe siècle, donc pré-révolutionnaire, le maréchal de Richelieu, et qui avait décidé de créer une espèce de mémoire d'une époque qu'il a appelée « Anecdote de notre temps » en cherchant des images représentatives de l'époque, et à l'époque, pas de photographie. Et ces images, il y a plusieurs volumes qui sont consacrés uniquement à des textiles. En fait, il a chargé d'autres que lui de récolter tous les textiles qui étaient produits, des échantillons de textiles produits, et de les rassembler. Et là, on a vraiment des images de l'époque qui sont très étonnantes parce qu'on a, on a une préservation des couleurs et des motifs qui parfois paraissent hyper, hyper contemporaines. Et ça, on peut aller les voir à la bibliothèque. Oui, et puis surtout, ça a été très peu vu pendant longtemps. C'est-à-dire que là et maintenant, il y a... C'est les robes de bateau. Oui, voilà, mais il faut imaginer qu'elles étaient comme ça. Donc, il y a une espèce... Il y a des fois, des vibrations qui sont très étonnantes. Et là, on a vraiment un textile mémoire, mais qui comme un espèce d'éclat du passé qui arrive jusqu'au présent et qui est une image collective d'une époque. C'était exposé là, comme ça, sur une table ou... Alors, en fait, on peut aller les consulter sur rendez-vous. J'ai amené... depuis le confinement, je ne l'ai plus fait, mais j'ai emmené des groupes d'étudiants et d'étudiantes pour aller... Et on était reçus et ils ouvraient les livres devant nous et tout. C'est ADNF Richelieu. C'était Richelieu. Ah, c'est Richelieu aussi. Alors, le textile peut fournir cette image d'une époque par le motif, la couleur, on vient de le voir, mais aussi par la broderie et par l'inscription. Alors ça, c'était dans une exposition féministe. C'était l'année dernière au musée Carnavalet et donc était exposée cette bourse dite de Louise Michel. Donc Louise Michel, grande révolutionnaire, anarchiste, militante, et qui, dont on dit que, que c'était à elle et que c'était à elle en captivité. On peut voir souvenir de captivité puisqu'elle a été de nombreuses fois enfermée, et notamment après la Commune. Et donc elle a... Comme garder mémoire, c'est une forme de commémoration, d'hommage à tous ceux qui, comme elle, ont été victimes, d'une certaine manière, de répression suite à des révolutions de 1789 à 1871, la date de la Commune. Et là, on a une manière de marquer par l'écrit la mémoire d'une époque. Et puis un autre projet, alors qui mêle le motif et l'écrit, c'est un grand projet américain, mais qui est devenu un projet international lié au SIDA, qui est le Ninth Project AIDS Memorial Quilt, avec cette idée donc, qui a été conçue à partir du milieu des années 80 et puis poursuivie ensuite, et de temps en temps exposée, qui était l'idée de rendre visible les morts, les morts du sida, les victimes du sida, en consacrant un panneau textile à chaque personne décédée. Il suffisait de le demander, d'avoir un proche mort ou une personne à qui on voulait rendre hommage pour réaliser un patchwork textile, donc en référence à la tradition du quilt américaine, donc qui est ces édredons qui sont de plusieurs couches, dont la couche supérieure est un patchwork et qui était
souvent réalisés pour des moments importants de vie et qui étaient passés dans les familles, enfin qui avait aussi là, qui était lié aussi à la, cette question de la mémoire et de la transmission. Donc il y avait toute cette histoire-là du quilt et là liée donc à l'hommage aux morts du sida. Donc c'est une manière de rendre hommage par le textile et en utilisant toutes sortes de matériaux, dont des vêtements, donc qui étaient transformés et qui rejoignaient ces panneaux. Au départ, c'était des panneaux sur papier. Et puis à un moment donné, elle a la décision de passer au textile pour les réaliser. Et les textiles, c'était qui faisait les dons des vêtements, ou ils les récupéraient, ou comment ça se faisait en fait? Ils les récupéraient. C'est vraiment du... Et puis c'est l'idée, parce qu'il est beau aussi dans le textile, il y a le temps du faire, mais il y a aussi le fait que souvent, et c'est le cas aussi par exemple dans pour les objets militants, les bannières, etc., c'est que ça rassemble. C'est que c'est aussi un... D'une certaine manière, ça répare. Enfin, il y a cette idée, ça répare les vivants. Ça relie. Faire un patchwork à plusieurs en hommage à un proche mort, c'est une façon de parler de la personne, d'être autour. Enfin, je pense que c'est... Et puis aussi d'aller parler aux autres personnes et groupes qui en ont réalisé d'autres. Donc, ça fait du lien. Il y a cette idée de la réparation. Et dans le temps, qui n'est pas du tout sans doute la même chose que la pratique qui pourrait se faire sur papier d'un panneau qu'on réaliserait. Je pense que dans le textile, on peut pas faire les choses dans trop d'urgence. Enfin, est-ce qu'il y avait une calligraphie quelconque, ou Naïm, ou c'était la calligraphie du textile? Non, c'était le nom du projet. Il y avait des noms. Et chaque panneau textile nomme, enfin il y a le prénom et le nom, et voilà. Et après il peut y avoir d'autres textes, d'autres images associées. Et c'est une industrie en quelque sorte qui fait ça, parce que c'est pas un particulier qui le fait, non. On apporte les objets, on apporte l'idée de la chose, et c'est la fabrication, ça se fait comment en fait? C'est manuel, mais en revanche c'est une association. Ah, voilà. Et si vous cherchez, il y a un site sur Internet. Enfin, c'est devenu quelque chose de, en effet, d'assez important en termes d'organisation. C'est à Washington. Là, c'est à Washington. Mais le tout début, je l'ai noté, ça a été lancé à San Francisco, il me semble. Oui. Et après, il y a des antennes, d'une certaine manière, qui se sont construites dans plusieurs villes et même de manière internationale. Et c'est uniquement aux États-Unis ou ça s'est répandu dans le monde? Parce que des fois, quand ça part des États-Unis, après, c'est un peu adopté dans les autres pays. Oui, bah c'est le cas. Oui, c'est le cas. Je crois qu'il y a une antenne en France. Enfin, voilà, et puis des échos, en fait. L'idée, d'une certaine manière, a pris de manière internationale. Donc, il y a un site internet, une information, tout ça. Et d'une certaine manière, ça fait écho dans un tout autre contexte à Boltanski, cette idée du tissu au sol et de la manière de rendre présent quelque chose qu'on ne veut pas voir. Enfin, il y a quelque chose sur la question de rendre visible l'invisible qui fait écho et qui passe, le textile d'une certaine manière peut le permettre. Il y a une allusion juste, pardon, je me permets, dans le film de Wim Wenders qui vient de sortir sur Hansel Kiefer. Ah, que j'ai pas vu. C'est sublime. Le bruit du temps. Le bruit du temps. Bon, alors je vais juste vous dévoiler ça. Oui. À un moment, Anselme est en haut d'un escalier en colimaçon et il lance des tuniques de toute taille. Hein. Et elles viennent se répandre au sol. Les tuniques sont plâtrées, non? Oui, parce qu'elles font un bruit au sol qui n'est pas juste. Oui, c'est un certain. Mais on reconnaît que ce sont des vêtements. Oui, il y a cette idée, on voit le vêtement. Comme une aube. C'est très comme si on était en mode. Le bruit du temps. Le bruit du temps. Franchement, c'est. Ah, bah écoutez, on va le voir. Alors ça, c'est vraiment le textile dans sa dimension mémorielle, mais collective. Et il y a aussi un textile qui renvoie directement à des individus. Parfois, le textile devient relique, en particulier quand il y a un contexte de culte à certaines figures historiques qui sont aujourd'hui fortement controversées, comme...
comme Napoléon. Et vous trouvez des objets, mais vous avez aussi Marie-Antoinette. Hein. Vous avez des objets qui ont touché ces corps. Enfin, c'est vraiment la question de la relique. Il y a eu un contact et qui les rend extrêmement précieuses, qui ont immédiatement, elles ont une espèce de prix, elles ont été vendues, elles ont été volées, elles sont aujourd'hui dans les musées. C'est l'idée de vraiment de la relique du reste matériel qui a été en contact avec une figure de sainte sanctifiée et donc. C'est le fauteuil de Molière, la République française. Alors là, c'est le fauteuil, mais ça pourrait. Là, ouais. C'était pour rester dans le registre militaire. Là, c'est le comte de Fuentès. Donc, on est au musée de l'armée, mais il y a énormément de textiles en fait au musée de l'armée, qui est un musée assez passionnant dans les objets qu'il montre. Mais oui, à la Comédie française, il y a celui de Molière. Alors. Et, s'il est vrai. Mais en fait, jamais on sait si ces objets sont vrais, c'est le principe. C'est on ne sait pas du tout si ce madras était sur la tête de la Sainte-Hélène de Napoléon, mais il faut le croire. Enfin, c'est toujours cette idée de... Ça joue sur le... Et l'usure est comme une preuve, d'une certaine manière, de la présence de cet objet. Mais c'est cette idée-là aussi de proximité, parce qu'il y a eu ce contact avec le corps, avec ces figures... Donc, qui peuvent être célèbres et dont on voit aussi toujours cette nature photographique du textile dont parle Boltanski. Ici, c'est une photo que je trouve très... Maximilien au Mexique. Oui, Maximilien au Mexique et son exécution. Donc, on est, d'une certaine manière, à la... On voit les trous et ça, là aussi, c'est l'idée que le textile permet... C'est comme une image impossible, enfin, parce que la chemise est placée donc, sur ce ventail, puisqu'il a été exécuté, comme si on reconstituait un peu le corps face au. Posé contre un poteau ou face au mur. Et ce moment-là, donc il y a une espèce de reconstitution, mais qui en même temps joue pas. Mais avec vraiment ce jeu d'absence et de présence du corps, qui rend d'une certaine manière l'image très forte. Et permet la saisie de ce moment particulier. Et puis, dans les anecdotes qu'il y a sur cette exécution, on dit que les vêtements ont pris feu, etc. Donc là aussi, on n'est pas complètement sûr de l'authenticité de la photographie, mais il y a une espèce de présence très forte, une trace. On est vraiment dans la trace du moment, d'un acte, là, à travers cette photographie de textile témoin, d'une certaine manière. Ça fait preuve aussi, dans ce cas-là. Et puis, on a des personnalités plus anonymes. Alors, même si ici, le lieutenant a un nom, on est au musée de l'armée toujours. Mais là, d'une certaine manière, c'est comme tout à l'heure, c'est moins l'idée du contact avec le corps qui a porté l'objet que le corps en contact avec un environnement extérieur. Enfin, ce que dit cette pèlerine, c'est la boue des tranchées, c'est une manière de faire ressurgir d'un coup, puisque ce lieutenant y est mort, mais elle garde comme une espèce d'empreinte très, 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 très forte de ce que ce corps a pu vivre. Là aussi, c'est très elliptique et du côté de l'évocation. Et puis là, c'était dans une exposition anatomie d'une collection au Palais Galliera, où il y avait beaucoup de vêtements portés par des célébrités. Et il y avait aussi quelques vêtements qui en étaient peut-être d'autant plus forts, qui d'un coup étaient anonymes et qui renvoyaient là, c'est vraiment le corps au contact du monde du travail, d'un milieu social. Enfin, si la pèlerine, c'est plutôt un milieu géographique et historique, les tranchées, là, on est au milieu du 19e siècle et on sent, c'est la trace du labeur, d'une certaine manière, que dit ce pantalon-là. D'une certaine manière, maintenant on revient un peu à la mode de ces choses un peu usées qui évoquent des choses et pourtant qui sont neuves. Oui, c'est comme les pantalons troués, troués, troués qui évoquent quand même des tissus. Finalement, ça redevient à la mode. Comme les tissus de guerre, ça évoque quand même quelque chose de violent et tout d'un coup, on en fait un objet de mode. Très curieux. Parce qu'il y a une dimension esthétique de l'usure. Tout à fait. Dont parfois on perd le sens. Voilà. Comme par exemple en Bolivie, il y a plein de magasins avec des trucs de militaires pour peut-être faciliter l'idée de la guerre et des guérillas, c'est quelque chose comme ça. Et
On en fait des objets qu'on porte tous les jours, des choses comme ça, des magasins. Ça banalise, tu veux dire. Oui, ça rend léger quelque chose qui devrait rester puissant, enfin, ou dérangeant. Ça, comme ça. Et alors, on peut se demander comment ces objets arrivent dans les... dans les musées. Et alors, en fait, on ne voit pas très bien, mais il y a ce texte que je trouve très beau de Marguerite Duras dans La vie matérielle, où elle tombe sur, je vais essayer de le lire, où elle tombe sur un textile par hasard. Et, parce qu'on se demande toujours comment, surtout ce pantalon, par exemple, d'homme du milieu du 19e siècle, comment est-ce qu'il est arrivé dans un musée, comment est-ce qu'il a été conservé. Et là, on sent la question du hasard. Une nuit, je rangeais mes affaires la nuit, comme beaucoup de femmes. Je ne sais plus pourquoi, j'ai retiré le tiroir du milieu de son logement et je l'ai posé sur le sol. Un linge qui était pris entre le tiroir de la commode et le corps de la commode est sorti du noir. Il était d'un blanc jauni et lumineux. Il était parsemé de taches roses pâles, aussi chiffonnées qu'un papier froissé. C'était un caraco, un sous-vêtement de femme froncé autour du col, bordé par une petite dentelle. Il était en linon. Ce vêtement était là depuis les premiers propriétaires du meuble. Les déménagements s'étaient faits sans enlever les tiroirs. J'ai dit à voix haute, 1720. Les taches roses étaient celles du sang clair des derniers jours des menstrues. Ce caraco avait dû être enchaîné une fois lavé, il était méticuleusement propre, sauf les taches qui ne partaient qu'aux grandes lessives de l'année. À l'endroit des taches, le rose qui restait était la couleur que laissait le sang une fois lavé. Le caraco avait pris l'odeur du bois ciré. Les tiroirs étaient trop pleins, le caraco avait dû se trouver à la surface des affaires, il avait dû glisser, être happé par le bord du tiroir et puis être avalé tout entier, et finir dans le logement côté aveugle. Pendant 2 siècles, il était resté là. Il était recouvert de mois et d'années de reprises, reprises reprisées elles-mêmes aussi belles que des broderies. La première chose que l'on pense quand on comprend l'objet, c'est « qu'est-ce qu'elle a dû chercher ?» Des jours et des jours. Ne pas comprendre du tout cette disparition. Je trouve que c'est un texte très 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 beau. Très bien écrit. Hein. Ah oui, magnifiquement écrit. Et puis sur une rencontre, c'est-à-dire qu'on sent une femme la nuit face à son... Enfin, il y a une espèce de présence d'un coup de la rencontre face à ce textile qui s'est perdu et qui est comme une espèce de... Aussi, là, on a du lien, comme un cadeau qui lui est fait dans une espèce de temps de la distance d'une inconnue et qui offre quelque chose, une expérience qui est en plus une expérience de femme, enfin qu'elle lit très fortement comme une expérience de femme. Et cette expérience de femme qui peut être d'une violence inouïe, elle était rendue visible par la présence photographique de vêtements dans une exposition à la Galerie des Filles du Calvaire, une exposition d'une artiste espagnole qui s'appelle Laia Abril, photographe, et qui avait pour titre On Rape, donc sur le viol. Une série de photographies, enfin vraiment phototextes rassemblés. Et par exemple, la photographie qu'on voit là, c'est une robe de mariée et le petit texte raconte en quelques mots l'histoire de cette femme qui a été enlevée et mariée de force. Donc, alors qu'elle souhaitait faire des études, disons que c'était son projet, qu'elle essayait d'échapper à cette destinée. Et la robe, là, fait preuve, et j'ai associé, dans une espèce de rapprochement un peu personnel, d'un texte du Deutéronome 22-17, et bien voilà la preuve de la virginité de ma fille, et ils déploieront le manteau devant les anciens de la ville. Cette idée de prouver la virginité des femmes par le textile, donc le textile comme preuve, le textile comme preuve mémorielle de la virginité ou de l'absence de virginité des jeunes femmes promises au mariage ou des jeunes épousées. Et donc là, on voit bien cette espèce de... Ce rôle du textile et pas n'importe quel textile, pas n'importe quel vêtement, la robe de mariée, qui est un vêtement hyper connoté... Qu'est-ce qu'il y a ? Virginal. Alors le blanc, elle n'a pas toujours été blanche, mais depuis en tout cas le 19e siècle, elle est blanche. Et puis c'est un vêtement, par exemple, qu'on ne passe pas. Le voile se passe, mais la robe ne se lave pas. Il y a vraiment
ne se transmet pas dans certaines cultures. Et par exemple, certaines femmes, on dit que les Bretonnes au 19e siècle étaient enterrées dans leur robe de mariée. Il y a cette idée de finir sa vie avec sa robe de mariée. En tout cas, de pas là, c'était un des vêtements qui ne se transmettait pas. Comme si la vie d'une femme n'était que de son mariage à sa mort. Oui, comme si tout ce qui était avant le mariage, c'est l'attente. C'est la constitution du trousseau. C'est marrant, je vois le mariage d'après, enfin, je vois les noces éternelles. Hein. Enfin, je vois une belle continuité au contraire. Hein. Enfin, oui. J'étais partie. Mais du coup, je m'extirpais de. Oui, effectivement, de cet aspect-là que je n'avais pas vu. Réduit à ça, c'était vous voyez, le truc un peu réducteur. Oui, c'est une boucle étrange. Oui. Sauf si en effet on pense à une sorte de seconde noce. Ça vaut mieux, sinon. La galerie ? Oui, ouais, pas mal, à un étage. Ça fait penser, j'ai travaillé au métallo, il y a une salle comme ça. Au moyen étage, qui sert pour les expos, justement. Okay. Avec une derrière comme ça. Toujours les plus grands. Là, je pense qu'elle est un peu moins grande qu'elle n'en a l'air. Enfin, on le voit qu'il y a une petite déformation. Mais elle est quand même assez spacieuse. Et du Galbert, donc, dans le marais là-bas. Oui, ouais, juste au métro Puy du Galbert, juste à côté. C'est l'hiver. Alors quand même, alors là, c'est un peu, on coupe un peu. Oui, pardon. L'expression qu'il y avait avec les vêtements, est-ce que c'était pas, j'ai un vague souvenir de... Des vêtements des femmes quand elles avaient été violées pour est-ce qu'il y a pas ça, enfin, qu'est-ce que représentent les vêtements qu'on voit en exposition? Oui, à chaque fois c'est le vêtement porté quand la personne oui pour montrer que en fait pour un peu descendre cet argument de elle a bien cherché ou elle a été aguicheuse ou des choses comme ça aussi. Oui, oui. Oui, alors je sais pas si je peux zoomer. Ah, ouais, s'il te plaît, tu peux. Regardez. Ah, là, c'est mieux. C'est un récit. C'est en anglais. Alina Kavista. Et ce témoignage, c'est vraiment le texte de la dame qui était dedans ou c'est... Oui. Et elle écrit assez... On a pu reproduire ce. Il y a quelque chose de l'ordre de l'enquête, en fait, qui est... Ah, c'est... Parce qu'un rape, ça se dévile pas comme ça. Hein. Oui, je pense que c'est un travail immense d'aller chercher les paroles et d'aller chercher cette image, mais qui est d'une certaine manière décalée. C'est-à-dire, on n'a pas le visage, on n'a pas non plus le nom de famille. Donc, voilà. Il y a une protection des personnes, mais c'est vrai qu'elle elle donne beaucoup, enfin, elle révèle beaucoup de... Oui, parce que la sœur a pu échapper et elle, c'était trop pour la famille, d'une certaine manière. C'est... Ce que je trouve hyper intéressant dans ce travail-ci, c'est la manière protocolaire de neutraliser en fait, toutes ces individualités, mais de les garder un peu à travers le tissu. Oui, oui. Mais en même temps, d'être dans une forme d'enquête qui scientifie un peu, qui donne une vision un peu scientifique autour du viol. Quelque chose qui est... Enfin, le viol, normalement, ça reste souvent dans les... Donc, soit c'est dans le domaine du juridique, soit ça va être dans le domaine du récit personnel. Et là, il y a un côté plus scientifique qui naît un peu avec cette collecte. Historique. Oui. Comme mise à distance. Ouais. Alors que ça reste très... Quand vous lisez, c'est quand même très... Ça reste très fort, mais... Mais il y a ce truc protocolaire de un nom, un lieu, un témoignage. Oui, c'est vrai. Un habit, tout cadré de la même façon, enfin, quelque chose. Comme une preuve en fait. Pièce à conviction. Oui, pièce à conviction. Le fait qu'il n'y ait aucun chaland qui regarde le vide. Je pense que si on regarde la même chose avec des gens qui regardent en miroir, c'est différent. Si la pièce était. Entre deux gens, vous allez tout voir d'un coup. Ça peut être plus ou moins rempli, quoi. Ça va complètement changer l'état d'esprit. Là, c'est vide, mais c'est presque artificiel. Oui, là, ça pourrait être une
une fausse image. Mais en même temps, quand vous êtes dans une phase de concentration. Je pense qu'il y a une rencontre avec les spectateurs et spectatrices quand ils sont dans l'espace. Mais peut-être là, ça crée quelque chose de plus... Les présences pourraient créer quelque chose d'anecdotique, c'est ça que tu veux dire? Non, mais ça apporterait une autre lecture. De, oui. Lecture. Même s'il y avait une et jeune personne, échelle. Par exemple. Oui. Il se tiendrait au fond, la mise en scène est plus grave. Mais ça change un peu la signification. Enfin, ça... Oui, là, c'est pour imaginer ce qui se passe tel qu'il était. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est toujours à travers le couple présence et absence, c'est que en fait, la présence est vraiment particulièrement soulignée par cette absence, justement, par le vêtement, enfin le vêtement donc, en tant qu'objet, ainsi que le surtexte, enfin, là en l'occurrence le surtexte, mais, et cette mise en scène effectivement un peu de pièce à conviction, enfin cette présentation de pièce à conviction, avec donc. Quand même, il s'est passé quelque chose, il y a une trace, et donc il y a une présence, et en même temps, cette présence, elle est légère. L'absence, cette oblitération, elle est aussi terrible, parce que c'est l'oblitération du corps, elle renvoie vraiment au viol, je trouve. Enfin, elle renvoie vraiment à... Et puis là, le choix qui est fait, c'est le choix de la verticalité. On voit bien que c'est un peu comme dans la photographie de l'exécution de Maximilien, l'idée de remettre un corps debout aussi. Enfin, c'est important. Enfin, il y a quelque chose qui se dit, je pense, pour les femmes d'important là. Et puis, dans le textile, il y a aussi le pli. Le pli est aussi, et à avoir beaucoup aussi avec la mémoire, avec la présence du corps. Donc, c'est un vêtement qui est quand même très, très mis à verticalisé, mais plat, mais avec des plis qui évoquent quand même l'idée qu'il y a eu du corps. Et le drame, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y aurait eu un certain effroi de voir justement ce vêtement glissé, parce qu'il y a certainement eu lutte, et du coup, c'est assez terrible. Et puis c'est terrible cette façon de présenter le vêtement, à l'abandon des yeux, qui postérieurement voit cette scène. C'est le but de confronter. Voilà, cet abandon du vêtement. Et qui est exposé à des regards plus tard, alors qu'il y a eu quelque chose de tragique dans le temps. Et cette façon d'être dénoncé, d'être soumis à tous ces regards qui auront encore un peu plus fort le témoignage de ce qui s'est passé en fait. Je trouve que le fait qu'il n'y ait que le vêtement renvoie au fait que le violeur ne voit pas la personne. Il voit un corps, il voit un vêtement qui l'aguiche. Et c'est pas... Et c'est pas une personne qu'il voit. Ça me fait penser à ça. Le côté très réducteur. Le côté très réducteur, t'as pas une personne. C'est être le quelque chose. Je pense qu'en fait, au-delà de ça, aussi le violeur ou la personne violée. Oui, mais ce sont des choses qui est déshumanisées, qui est reléguées aussi à l'objet. C'est vrai. Mais j'aime plus que ça, carrément nier en fait. C'est ça qui est incroyable. Et c'est ce dispositif, je le trouve d'autant plus fort. Enfin, après, j'ai pas vécu, on le voit qu'à travers une reproduction, là, une projection. Mais enfin, en même temps, c'est vrai qu'on voit bien quand même la mise en scène de chaque individualité, de chaque singularité de viol, en fait, de chaque singularité de chaque personne. Et en fait, on n'arrive pas à se dérober. J'ai l'impression que c'est un dispositif qui fait que le spectateur ne peut pas se dérober à ce qui se passe. Il va s'interroger, il est obligé, il est conduit. Il fait face. Oui, il fait face et il est obligé. Et c'est là que je suis complètement, c'est qu'il est obligé de automatiquement d'imaginer ce qui a pu se passer, ou en tout cas, essayer de mettre du sens. On peut se projeter. Enfin, je pense que cette question de l'empathie, elle est hyper importante. Le texte raconte le viol. Oui. Alors, le contexte est différent, mais on est aussi dans l'idée de la preuve. puisque là, on est vraiment dans l'imaginerie catholique du dit sensuaire et du voile de Véronique.
Alors, il y a eu... Alors, sueur, ça vient de sudarium, c'est le mouchoir qui essuie la sueur. Et le sueur de Turin, donc on peut toujours aller voir. C'est une double empreinte. On voit que le Jésus est de face et de dos ici. Et quand il a été... Bon, il a surgi au XIVe siècle. Et il est du XIVe siècle, enfin, scientifiquement. Mais il y avait cette idée que c'était bien ce qu'on a chez Marc, hein, ce suaire dans lequel il emballe le corps du Christ, il l'entoure, et qui aurait été laissé au moment de la résurrection, qui serait comme l'espèce de, voilà, de peau laissée et sur lequel il se serait imprimé. Comme une preuve de sa présence. C'est une très belle idée, c'est très pré-photographique. Enfin, pour moi, artistiquement, c'est comme le sueur de Turin, c'est une idée magnifique. Oui, je l'ai vu à Turin. Ouais. Alors, il faut demander, c'est contrôlé, j'imagine. Ben, maintenant, il est présenté. Enfin, moi, il était présenté. Alors, je suis peut-être tombée la bonne semaine, mais oui. Alors que longtemps, il était présenté qu'à certaines occasions. Et le voile de Véronique, ça, pareil, a passionné les peintres, parce que c'est vraiment l'idée de la présence par le textile. Et dans le pli, puisque ce qui est très beau dans le tableau de Robert Campin, c'est que la tête du Christ apparaît sur un mouchoir, mais sur lequel il y a une grille. On a l'impression c'est le pli et l'image sort du pli. Et donc là, on est sur le moment du chemin de croix où Véronique, tout ça est évidemment pas dans la Bible, essuie le visage de Jésus et le visage reste sur le. Là aussi, c'est une idée incroyable. Le visage reste sur le tissu, comme la force des images. Quoi. C'est vraiment croire à la puissance des images. Et en même temps, c'est la présence et l'absence, là aussi, parce que moi, ça me renvoie à plein de tableaux de la Renaissance où vous avez aussi Marie, la Vierge, devant. Souvent, elle est devant, dans les tableaux de Bellini, par exemple, elle est devant des tissus et parfois devant des textiles qui sont tenus par deux anges. Et on a l'impression qu'elle est là, mais qu'il suffirait de lâcher le tissu pour qu'elle disparaisse. En fait, cette idée que l'image apparaît et elle disparaît, que c'est le textile est une sorte de véhicule de l'image, enfin, qui permet à l'image qu'il est comme un... Enfin, l'autre image qui me vient, c'est l'image du tapis volant. C'est-à-dire que dans le textile, il y a une image qui, il y a de la magie et il y a du transport. Je sais pas comment. Et aussi du transport de l'image. Et donc là, c'est vraiment l'idée de la preuve par le textile d'une présence et d'une empreinte. Enfin, c'est vraiment par contact. On a vraiment cette idée là, du textile et du corps et l'image qui s'imprime. Et vous vouliez dire quelque chose ? Oui, pardon. Apparemment, vous avez dit qu'en fait, le cadrage était dû au pli. Et c'est marrant parce que j'avais... Oui, tu vois, sur le vidéo, il y a donc un espèce de voile qui est quadrillé. Et en fait, vous dites que du coup, il était préalablement plié et qu'il a été déplié un peu. Parce que moi, c'est vrai que quand je l'ai vu comme ça, ça m'a fait penser au quadrillage de préparation du dessin, notamment pour agrandir une image. Enfin, c'est la technique qui permet de reporter les justes proportions. Et je trouvais ça intéressant aussi parce que, avec Véronique, enfin, Vera Iconica, la vraie image. Enfin, aussi, il y avait presque quelque chose sur la représentation, enfin, sur l'image. Et c'est pour ça que, enfin, c'est vrai que les plis, je les voyais plus comme des lignes de dessin. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, comme méthode de dessin, comme on a dans les méthodes de dessin de Dürer, où vous avez la grille qui sépare le sujet observé et l'artiste. Oui. Tout à fait. Enfin, je pense que on peut projeter plein de choses. Ouais, ça se tient carrément. Après, moi, j'aime bien aussi les nappes dans la peinture, et qui sont souvent, vous allez chez Philippe de Champagne et tout, et souvent, c'est aussi des grilles. Et l'idée que de la grille peut naître quelque chose qui est de l'ordre de l'incarnation, enfin, parce que là, Jésus et les disciples, c'est l'idée du partage d'un repas, mais qui a aussi une valeur de présence de l'Esprit-Saint ou de présence du...
j'ai du mal à comprendre en quoi la grille renvoie à l'incarnation. Quelle est la symbolique de la grille du quadrillage? Alors ça nous emmène peut-être un petit peu loin, on quitte la question de la mémoire, mais parce que, enfin, il y a une histoire très, très, très longue de la grille qui a aussi beaucoup à voir avec le textile. Le textile, c'est de la grille, l'armure en textile, et donc c'est une forme de matérialité. Et en même temps, il n'y a rien de plus abstrait que l'image de la grille. Enfin, la grille, c'est à la fois l'absence d'image et en même temps le désir de l'image. Enfin, je pense que. Ça me faisait penser à la photographie que vous avez évoquée au départ, parce qu'en fait dans le sensuaire on voit que c'est en négatif, et donc ça fait penser au négatif photo qu'on utilisait en argentique. Et après, une des choses que je trouve aussi assez impressionnante, c'est que les deux représentations à droite sont des représentations, sont une photo d'une peinture où à l'intérieur il y a une image qui représente encore un portrait. Donc en fait, il y a un côté répétitif comme ça, et de mise en abîme, ouais, tout à fait. Puis le champagne, c'est la seule droite, là. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous, cette main? C'est les épines. Hein, ouais. Ah d'accord, ouais. Et Baudot, tu voulais pas dire quelque chose? Non, je voulais dire, c'était par rapport à la couronne d'épines qui sont en bas, mais pas en haut, c'était l'évocation des sons qui goûtent, et finalement, c'est l'épine qui reçoit. Elles sont rouges? Oui, elles sont rouges. Vous auriez pu faire que ce soit en haut l'épine pour. En fait, ils ont un peu cassé cette histoire de l'épine portée par la tête. C'est vrai que c'est vrai que la présence de la couronne est étrange. Là, je. J'ai l'impression que c'était une main. Oui. Mais même la manière dont le voile est tenu est étrange, parce que ça évoque aussi la crucifixion. À ma gauche. Je pense que le fait que la couronne d'épines elle soit posée en bas, c'est aussi parce que c'est ce qui reste, c'est ce qui nous reste, c'est la relique. Et que du coup elle est présentée au lieu d'être représentée. Ah, donc c'est une espèce de rencontre entre le voile de Véronique et la couronne d'épines comme deux manières de rendre présent. Oui, ce qui reste, absolument. Oui. Deux objets en contact. Enfin, on a deux objets en contact. Et qui pourraient être tangibles pour un spectateur. Avec l'idée de l'attraper. C'est souvent dans la peinture, il y a des objets qui dépassent comme ça et qui sont cette espèce d'invite à tendre la main. Et, voilà, cette espèce de désir de toucher, mais qu'on ne touche pas. Et pour le Christ, ne pas toucher, c'est quand même. Voilà, c'est quand même un sujet. Ouais. Donc, dans ces images qui représentent du textile ou dans ces textiles, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la présence et de l'absence, une dimension photomatique. Et ça, j'ai repensé au regard de Voltanski. Le côté hanté de l'image est vraiment travaillé à partir de la transparence du textile. Et ça, il y a plusieurs artistes qui l'ont travaillé. Donc, je vous ai amené plusieurs. À chaque fois, c'est un peu des choix selon les objets que j'ai vus, à vrai dire. Et là, par exemple, c'est Mona Hatoum, qui est une artiste qui est d'origine palestinienne, qui travaille à Londres. Et ici, c'est une œuvre qui était présentée dans une galerie... Chez Chantal Crouzel, il y a quelques années, qui est très belle. Et en fait, on ne voit pas très bien, mais il y a trois couches de tulle sur lesquelles qui sont accrochées en haut à des barres de métal. Et l'image qui est reproduite, c'est une image de sa mère en train de coudre, enfin, dans un geste textile très long. Donc, il y a une espèce de... Là aussi, beaucoup de ces images jouent pas mal
niveau. Donc, et c'est quelqu'un qui a beaucoup utilisé le textile Mona Hatoum sur cette question de la mémoire. Donc ça, c'est une scène, la scène de sa mère cousin qui préexiste à sa naissance et qui renvoie aussi à... On va le voir chez d'autres artistes, et en particulier celui d'après, Do Ho-su, qui est un artiste sud-coréen qui vit aujourd'hui à New York et qui a beaucoup... Enfin, ce sont deux artistes de l'exil, enfin, de la traversée ou du passage dans des territoires. Et comment est-ce que, là, pour eux, le textile, la transparence du textile, de manière fantomatique, c'est-à-dire c'est autour de quelque chose qui est déjà toujours perdu, et ils essayent, de, par leurs œuvres, de garder mémoire de ce qu'ils ont été, ou de l'histoire familiale. Et Do-su, lui, ça m'intéresse parce qu'on n'est plus dans le champ du vêtement ou de la photographie, mais sur quelque chose qui est la mémoire des lieux, la mémoire des espaces, et comme on est aussi constitué des espaces dans lesquels on évolue, parce que le vêtement étant d'une certaine manière entre le vêtement et l'habitat, il y a beaucoup de rapports. Et ici, donc, c'est un espace traversé, vécu à New York, mais c'est quelqu'un qui a vécu à Berlin, qui a vécu dans plusieurs capitales européennes, qui vient donc de Corée du Sud. Et c'est une espèce de reprise d'empreinte et d'empreinte de l'intérieur des espaces. L'idée de restituer un espace vécu par l'empreinte parfois très précise, puisqu'on a un travail sur les poignées de porte. Enfin voilà, il y a quelque chose d'assez précis dans le détail et qui en même temps restitue l'ensemble de ces espaces traversés et transformés par la couleur. C'est marrant parce qu'il n'y a rien de rond. C'est très carré. C'est très carré. Et c'est très grand. Enfin, on voit l'échelle là grâce au... Le fameux escalier. C'est l'organza et c'est du fil teint. Solide et tout le reste, les murs ont l'air d'être en tulle. Mais j'ai eu l'occasion de travailler avec des tulles dans des spectacles. Et en fait, il y a des industries, enfin des fonds, des milliers de tulles différents de toutes sortes. Là, il y a un effet de légèreté, surtout par rapport au bâti, qui est plutôt du côté de la solidité. Oui. C'est l'enveloppe qui est reconstituée. Moi, ça me fait penser aussi à Eduardo Chillida, qui fait ses pénétrables. Mais là où il n'y a pas d'enveloppe, c'est vraiment l'espace même qui l'a rendu palpable et qu'on traverse en sentant, puisque ce sont des bandes, je ne sais pas si vous voyez. Des formes rondes, on les pénètre, on les traverse et on sent ce passage du vide, mais en positif en fait. Oui, là c'est l'enveloppe intérieure. Oui. Là, c'est le, oui, c'est... Et en fait, le monsieur qui regarde là, c'est dedans ou c'est un. Ah non, c'est un visiteur. C'est un visiteur réel qui permet, en fait, à chaque fois, ça permet l'échelle, d'avoir l'échelle de l'installation. On peut aussi le considérer de cette façon-là, qui fait partie vraiment d'un vrai tableau, même si c'est de la matière de tissu, en tissu, mais voilà. Ouais. Non, là, c'est vraiment une installation textilo-architecturale qui permet de voir qu'il joue dans une échelle qui est il est dans quelque chose de monumental et en même temps de très léger. Et alors, j'avais envie de le mettre en lien avec une sculpture d'un artiste plus historique du XXe siècle, Étienne Martin, donc qui est un sculpteur qui a utilisé pas mal de textiles, en particulier pour réaliser ses demeures. Donc là, c'est le sous-titre demeure numéro 5 d'une œuvre qui s'appelle Le Manteau. Ce qu'on voit derrière, c'est la housse du manteau, un manteau qu'il portait à certaines occasions, mais qui fonctionne aussi toute seule. C'est un peu liaison. Oui, enfin... On a envie de le relier à beaucoup de traditions extra-occidentales. Enfin, on pense aussi au manteau de chaman. Et lui, c'est vraiment lié... il le lie à la maison. Enfin, il l'appelle demeure. Et l'idée, c'est constitué de souvenirs, dont il a, lui, les clés.
et reliée notamment à la maison de son enfance, une maison qui était très labyrinthique. Et donc, il y a cette idée, là, on est au contraire dans quelque chose de très lourd par rapport, alors qu'à échelle juste humaine, et que c'est un objet très, très lourd et qui est, d'une certaine manière, à la fois, là aussi, une surface et une profondeur. Une surface et un intérieur dans lequel il fait porter à cet objet, qui a quelque chose aussi, là, de l'ordre du magique, enfin... Il fait porter à cet objet une espèce de charge mémorielle très très forte qui renvoie à l'enfance. Ça me fait penser à ce que disait Thomas Pesquet quand il va dormir. Il dort tout droit en fait. Dans sa demeure, enfin le manteau, quelque sorte un manteau de parade. Mais dans l'espace, j'imagine, ça serait une sorte de case pour dormir avec. Tous ces souvenirs d'enfance. Voilà, il y a quelque chose de très solide en tout cas. Et la phrase assez étonnante, une maison, on l'enfile comme un manteau. Donc c'est vraiment le lien manteau et maison. Le manteau comme la première maison, ou la maison comme une espèce de couverture protectrice. Et on en est l'axe, c'est-à-dire que lui se remet au centre. Là, il y a un truc... assez fort comme affirmation de soi au centre de son histoire. Enfin, Oui, je me demandais, est-ce que on dirait un plan, en fait. Oui. Est-ce que vous savez s'il a respecté, justement, s'il s'inspirait du plan de sa maison pour faire toutes les lignes, comme sur le monde, ou pas du tout? Alors, on a pas de plan à mettre en... Ouais. Mais en revanche, il en parle de cette maison qui avait deux escaliers. Voilà, donc il y a des espèces de liens, des liens qui sont faits de manière assez précise sur la complexité de cette maison, dans laquelle il avait le sentiment de se perdre, enfin, qu'il fallait justement dessiner un chemin pour s'y retrouver. Et la mémoire du textile qui a à voir avec l'intérieur, moi, ça m'a fait penser aussi au travail de Ligia Clark, qui est une artiste brésilienne, qui offrait des expériences alors de l'ordre de la performance mais participative, où elle mettait à l'inviter les spectateurs, devenant participants, participantes, à s'introduire dans, donc c'est à 50 mètres de tissu mais très élastique, dans lequel il fallait rentrer à deux. Et ça, vous pouvez voir sur Internet, il y a des... parce que ça a été refait après, et on voit la difficulté qu'il y a à rentrer là-dedans. Enfin, c'est pas du tout une expérience qui a l'air agréable. Avec cette idée, et elle, il y avait vraiment une dimension thérapeutique liée à l'enfance, c'était vraiment revenir à la sortie du ventre maternel, quoi, par l'expérience, par le tissu, où on finit par devoir ramper, quoi, au sol pour arriver à sortir de cet espace. C'est aussi une rencontre. Avec l'autre, puisque c'est l'idée de le vivre à deux, ce qui n'est pas exactement à moins de penser à une naissance de jumeaux. Il n'est pas le lieu où ça se passe. Alors ça, je pense que c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûre d'avoir la bonne... Il me semble que ça, c'est du temps de Ligia Clark. Mais après, ça a été refait plusieurs fois, et même assez récemment, ça se refait selon ses indications. Mais ça, je pense que c'est... Je ne sais pas si l'image, le tunnel, l'œuvre a été conçue en 73. Je ne sais pas si cette image-là est de 73. Il me semble que oui. La certitude, tiens-toi, c'est ça. Oui, c'est ça. Cette idée que le textile parle de l'intérieur des corps, elle est aussi... alors ça, c'est peut-être une artiste dont vous avez vu des œuvres, parce qu'il y en a quand même régulièrement présentées à Paris. C'est une artiste japonaise, Chiharu Shiota. Là, c'était une... c'est une œuvre qui était présentée à Lyon. Alors, on retrouve la robe de mariée comme espèce de vêtement un peu obsessionnel autour de ces questions de mémoriel. Et Chiota, à chaque fois, son principe, c'est de mettre des objets qui sont souvent assez forts, qui peuvent, au départ, qui étaient des objets personnels, puis après, d'autres objets aussi, qu'elle récupère. Et elle les met dans un réseau de lignes qui sont des fils de coton, il me semble, noirs ou rouges, et qui sont comme ça pris dans ce...
dans ce faisceau de lignes qui à la fois les fait apparaître et les masques. La robe comme une seconde peau est en nous. Donc c'est ce qu'elle déclare à l'époque dans un entretien. « Je pense que tout est à l'intérieur du corps, famille, peuple, nation, religion. Cette relation est intrinsèque, parfois confortable, mais aussi contraignante et paralysante. À l'aide de fils qui entourent la robe seconde peau, je fais un environnement qui décrit ces relations. » Donc on est là dans une relation de la mémoire, mais qui est à l'intérieur des corps et plutôt du côté de la psyché. C'est aussi ce qu'on retrouve dans le travail de Florence Chevalier qui faisait l'affiche dans sa série « La chambre invisible ». Alors c'est quelqu'un qui est, c'est une photographe qui a beaucoup travaillé autour des représentations de corps, parfois violents, avec du textile aussi. Et là, dans toute cette série, c'est des doublures de manteaux qu'elle porte. Ce sont ses manteaux. C'est une collectionneuse de manteaux. Doublures souvent en soie. Et dans la doublure, il y a aussi des choses qui se jouent. Enfin, la doublure, c'est ce qui est au plus près c'est encore plus près du corps. Et là, on est vraiment dans ce vocabulaire du pli, de l'organique. Il y a quelque chose de... Et puis, c'est quelqu'un qui parle beaucoup aussi du rapport du textile pour sa mère. Et donc, on voit que la figure de la mère, on avait croisé avec Mona Hatoum tout à l'heure, est aussi récurrente dans le rapport aux vêtements et à l'origine, puisque voilà, ça, c'est des photographies qui sont très charnelles. Oui. À quel moment le pli devient drapé ? Quelle est la fonction entre les mains, en fait ? Alors, le pli peut être accidentel. Le drapé est plutôt une construction du pli. Je dirais que si, je ne sais pas si ma réponse est la bonne, mais je la tente. Et dans le... Alors, ici, je parlerai plutôt de pli que de drapé, par exemple. Parce qu'il y a un jeu avec l'accident. Enfin, il y a l'idée que le pli saisit quelque chose de vivant. Alors que peut-être dans le drapé, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la représentation de soi, quelque chose qui est beaucoup plus maîtrisé. Il y a de la maîtrise dans le drapé. Alors que là, je pense qu'il y a... Il y a de l'aléatoire et après, il y a le moment où ça fonctionne et la photographie est prise. Mais, oui. Je ne sais pas pourquoi je vois la représentation de droite comme une peau desséchée. Une peau qui s'est rétrécie, qui a été desséchée, déshydratée, où il n'a plus de chair. Vous savez, quand par exemple, quand on meurt, ou des animaux surtout, y a le corps qui se désintègre à l'intérieur et les peaux se collent au squelette. Mmh, ça me fait vrai. Un peu cet effet-là. Et je vois la tête d'un lion, d'une lionne, comme ça, un animal, comme ça, et la peau qui se colle contre les os. Avec les plis sont roulés, mais tout à coup, c'est une lionne qui est en train de perdre sa chair. Mais c'est vrai que dans le pli, enfin, il peut y avoir de la peau d'animal, mais même de l'écorce, enfin des... Voilà, il voilà, il peut y avoir une rencontre entre plein de vivants. Le côté minéral. Oui, le côté minéral aussi, la pierre. La croix. Très léger, alors c'est la pierre. Est-ce que quelque chose là, ces innocents, là, il y a cette bougeon. Et des magnifiques. Oui, oui. Comme... vraiment maîtrisé. C'est comme les scalpes. C'est comme les scalpes. Quand on enlève l'intérieur, il ne reste plus que la peau. Et ça fait un peu ça. C'est vrai, mais c'est rendre. Je pense que c'est des images assez violentes. Je pense que je suis assez d'accord. Elles ont, après, voilà, la projection efface un peu, mais elles ont une espèce de charge. C'est des images, en fait, assez, assez dures. Et. Moi, je les ai mis en relation avec un... On parlait de Mario Diras tout à l'heure. Ça, c'est un très beau livre qui est une collaboration entre Annie Ernaux, donc l'écrivaine, et Marc Marie, qui est photographe. L'usage de la photo qui met vraiment en relation les questions de mémoire,
de textile et de photographie, puisqu'il y a de la photo dans le texte. En fait, c'est des photographies. Donc, ce sont deux personnes qui ont une relation amoureuse et qui prennent en photographie leurs vêtements comme des espèces de, là aussi, de témoins, de traces de leur relation amoureuse. Donc, il y a quelque chose de très physique, charnel. Et en même temps, ils traversent la mort. Donc, et puis, Annie Ernaux et Florence Chevalier dialoguent ensemble. Donc, je trouvais ça... Enfin, ça m'intéressait de les mettre côte à côte, là. Puisque, en fait, Annie Ernaux, à ce moment-là, elle a un cancer et elle passe beaucoup de temps en soins et elle perd ses cheveux. La mort rôde et elle vient de perdre sa mère et Marc-Marie vient de perdre sa mère aussi. Et tous les deux, d'une certaine manière, ont cette espèce de passion qui est entourée par une expérience similaire de la mort d'un parent. Et il y a ce passage, donc là aussi, hop, je vais peut-être grossir comme ça, vous pouvez lire aussi. C'est Marc-Marie puisqu'ils écrivent à tour de rôle. Enfin, il y a vraiment, ils photographient aussi à tour de rôle. C'est vraiment une espèce de partage. C'est à peu près à ce moment-là qu'a été prise cette photo. J'ai conservé comme A, donc l'autrice, avec les effets de sa propre mère, une robe, un chemisier, un foulard, des bas, dans un sac qu'il m'arrive d'ouvrir, juste par le biais de l'odeur, mélange de bois brûlé, de renfermer et d'autres colognes à la lavande pour ce plaisir triste d'être plongée brutalement dans le temps où elle était là. Et ça, je trouve que c'est un moment très, très beau. Et sur cette idée, je me suis dit peut-être que, ben, Géraldine, c'est des questions que les paroissiens et paroissiennes qui perdent quelqu'un te posent. Enfin, je pense que c'est une question très cruciale quand on perd quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait avec les vêtements quand on l'a vécu et comment on conserve et comment jeter, c'est quasiment comme à chaque fois si on jetait la personne, enfin, et faire des choix, enfin, c'est des choses qui sont terriblement dures à vivre seule. Et là, l'idée que je trouve à la fois très belle et très, très simple et presque... l'idée de conserver encore un peu en enfermant les vêtements dans un sac pour conserver l'odeur. Puis on en avait parlé l'autre fois, mais c'est vrai que le textile permet... permet la présence aussi par l'odeur. Enfin, Boltanski, la question de l'odeur aussi des vêtements est importante. Et ça, c'est gardé un peu encore, un peu. Enfin, dans un simple, on pense l'odeur va finir par partir, quoi. Mais c'est une phase de lutte contre la disparition qui se joue par étapes. Et là, on voit bien que le vêtement est en prise directe avec cette question de la préservation, garder encore un peu la mémoire de quelqu'un. Et donc le textile a vraiment à voir, enfin, on l'a vu avec la mémoire, la mort, mais aussi avec cette, peut-être que ça on l'avait pas encore dit, du deuil. Comment est-ce que c'est à la fois ça relie et ça sépare. Et là, Géraldine, c'est toi qui m'avais dit qu'il y avait cette exposition en ce moment à Paris, au Transfo. Ouais, et qui est vraiment, c'est un lieu très fort puisque c'est un lieu d'hébergement pour les personnes en grande difficulté, qui fait des expos. Et là, donc, il y a une exposition d'Annette Messager et ça a voir vraiment, enfin, c'est une exposition de deuil puisque Christian Boltanski, il est mort il y a 2 ans. Et on n'a pas accès, par exemple, il y a encore un manteau. On n'a pas accès au manteau. On est sur ce sol à peu près vitré, mais on voit bien qu'on... On voit mal. Elle a mis un manteau de Christian Boltanski. Et dessus, elle a mis des pierres, ce qui est une tradition juive que je trouve magnifique. De placer des... Chaque pierre est une pensée. Enfin, c'est cette idée de d'être présent par la pierre. Enfin... Avec quelque chose qui ne meurt pas. Voilà, c'est ça, contrairement aux fleurs. Ouais. Et mettre une pierre comme ça, ça... Puis ça peut être une toute petite pierre. Enfin, il y a l'idée qu'une espèce de très grande pensée peut mais présente dans quelque chose d'irréductible, enfin, voilà, qui ne disparaît pas. Mon sac. Et plusieurs... Alors ça, c'est une œuvre toute récente, faite pour le lieu. Et c'est en ce moment. Oui, c'est jusqu'à quand, déjà? Alors, je ne sais pas, j'ai peut-être le papier. C'est où, François? C'est dans le 10e. C'est dans le 10e. Ah oui, c'est vraiment, c'est les voisins. C'est rue Jacques Louvel-Tessier, au 36.
Et c'est jusqu'en février. Mais c'est dans le lieu... En fait, et on est il y a un bénévole qui m'a reçu et qui, enfin voilà, on rentre pas comme si justement on traversait cet espace qui est quand même un espace de vie difficile quoi. Et donc on est introduit et il y a un échange de paroles. Enfin, je trouve que c'est un lieu, c'est très juste la manière dont c'est fait. C'est à l'étage. Ah bah oui, ce serait chouette. Et il y a les chaussures en cercle, c'est l'œuvre ensemble Christian Boltanski et Annette Messager. C'est à chaque fois une chaussure dans une autre. Enfin, c'est leurs chaussures mélangées. Donc il y a vraiment une ronde à deux. Et puis au mur, vous avez une œuvre d'elle, Sleeping Pacific, qui est toute une série d'œuvres, alors dans lesquelles qui ressemble vraiment à une vulve, mais dans lesquelles elle a mis une couette. Dont elle qu'elle avait utilisé. Donc il y a un textile d'elle qu'elle met dans cette espèce de sac de couchage ça doit être la marque, un Sleeping Pacific qui donne le titre de l'œuvre. Donc un peu qui est là comme une image de sa solitude. Enfin, il y a quelque chose d'assez douloureux. Et puis tout autour, il y a mes vœux croix-cheveux qui sont à chaque fois dans le petit carré central, vous avez des cheveux. Et des mots ensuite répétés comme pour que ça marche, enfin comme un vœu par la répétition du mot. Comme des mezuzas, c'est quoi les mots là? Les mezuzas. Hein? Oui, les mezuzas, c'est une chose dans laquelle il y a un mot, un verset. Qui vient de la Torah. Oui, c'est vrai, c'est des versets de la Torah. Sur le mur, qui protège, oui. Sur les murs des maisons. Et les mots, alors c'est chaque fois un mot différent, et ça peut être soutien, ou enfin, c'est des vœux en fait. Oui, des vœux par un seul mot, des vœux qui appellent à une forme de protection. Et le cheveu, d'ailleurs, par exemple, Mona Atoum a beaucoup travaillé avec le cheveu. Le cheveu, d'une certaine manière, est aussi une forme de textile. Et je voulais vous montrer un projet d'un designer textile qui vient des Arts Déco. Il s'appelle Antonin Mongin, qui a fait son projet de thèse sur l'artisanat d'art du cheveu. Et donc, avec le cheveu qui a aussi, puis lui aussi, a des origines juives. Enfin, le cheveu, dans la Shoah, c'est fort et douloureux. Et donc, il travaille toujours à partir de commandes de personnes qui lui confient ses cheveux. Et il travaille vraiment en dialogue pour faire de ses cheveux des objets souvenirs. Donc, on a vraiment là cette idée de l'objet mémoriel. Et ici, par exemple, pour une jeune femme qui s'appelle Emilia, il a utilisé ses cheveux, alors mélangé à quelques cheveux synthétiques aussi, pour faire une forme de petite tapisserie, donc ça dont on voit des échantillons, en travaillant avec, en imprimant des photographies qu'elle lui a confiées, deux photographies de son enfance. À un moment, et alors ça fait écho au livre dont on parlait il y a un instant, à un moment où sa mère avait un cancer, Emilia avait un cancer et perdait ses cheveux. Donc il y avait toute une espèce de charge très forte autour du cheveu et de la mémoire qui joue ici. Donc il le fait avec beaucoup d'attention aux autres dans un projet qui est très fort en fait. Depuis le début, il est très au courant de ce qu'il manie quoi, symboliquement. Les cheveux sont sur des éléments vivants. Oui, oui. Voilà. Tout meurt, mais les cheveux sont toujours vivants. Et les cheveux comme le textile, donc ça, c'est une c'est un appel que j'avais en sortant du métro Saint-Ambroise sur lequel j'étais tombée. Le textile, c'est beaucoup du lien. Enfin, on le voit là dans cette. Dans ce rapport à la c'est du lien et de la séparation, et c'est une façon de créer une charte perdue. Donc c'était vraiment important, et c'est l'idée de créer du lien aussi, de choisir aussi ou de se fabriquer une généalogie, enfin de se construire par le textile. Et cette idée du lien du textile, on revient au mariage, se faisait aussi beaucoup, cette question du passage par le textile se faisait beaucoup autrefois à travers la fabrication du trousseau. Donc c'était avant le mariage ce que faisaient les femmes, c'était
préparer le mariage. Et là, on a une armoire en Slovaquie un peu plus récente et puis une armoire française normande du 19e. Et ce que j'avais lu donc, quand j'étais au musée de Normandie à Caen, c'est que non seulement le trousse, on amenait le linge avec soi, qui était une façon de passer vraiment, puisque le linge, souvent, on le préparait avec sa mère, donc on transportait comme ça, mais qu'on amenait toute l'armoire, c'est-à-dire qu'il y a une charrette qui arrivait, et on passait, l'armoire entière était transportée d'un contexte à un autre, et permettait ce passage. Mais il y a plein d'histoires dans le textile, entre, au sein de la famille, la question du passage, à travers des grands événements qui rythmaient les vies à l'époque. Par exemple, dans le monde chrétien, le baptême, des enfants portaient lors de leur baptême souvent la chemise de leur père, parce que le père passait par la chemise sa vigueur. Enfin, c'est l'idée de transmettre de la force par le vêtement. Donc il y a vraiment cette idée de transmission qui passe par le textile. Transmission et séparation, puisqu'on voit dans le mariage, à la fois on transmet, à la fois c'est un moment de rupture entre deux milieux. Et ça, c'est au musée de Saint-Étienne d'art et d'industrie. J'avais été hyper émue par ces rubans qui étaient en fait ce qui était laissé avec les enfants abandonnés, déposés. On est assez loin dans le temps, au début du 19e siècle. Et le ruban était un moyen pour retrouver si la mère cherchait l'enfant. Elle pouvait, le ruban était gardé et créé d'une certaine, était une forme de lien presque rendu visible, puisqu'on a vraiment là la ligne tirée entre la mère et l'enfant, qui est le seul lien conservé de l'une à l'autre. Et puis très beau aussi dans le champ du judaïsme, donc c'est je crois qu'au pluriel on dit mapote, ces bandelettes de Torah, et en fait qui sont fabriquées dans les langes sur lesquelles les enfants, les jeunes garçons sont circoncis. Donc c'est une tradition très forte, et puis comme ça il y a tout un mur de ces bandelettes. Et à partir du lange, des bandes étaient découpées et reliées les unes aux autres, donc changeant complètement la lecture, puis brodées, plus tard peintes. Et ensuite, la tradition, c'était qu'à l'âge de 3 ans, le petit garçon accompagnait, je pense que c'est son père, à la synagogue pour aller, donc avec ses bandelettes de Torah, entourer et fermer la Torah. Donc il y avait vraiment cette idée-là de continuité à travers toujours cette forme, cette ligne, et d'appartenance et de lien à une communauté. Là, voilà, et c'est des objets textiles. Alors, il y a aussi beaucoup d'objets textiles. Il y a une tradition textile qui est très forte dans le judaïsme. Et ces bandelettes sont particulièrement émouvantes. Et puis, alors, je vous ai amené à des je ne sais pas si vous le connaissez, le Shema de Doudou. J'y ai pensé tout de suite. C'est vrai? Oui. J'adore ce texte. Donc, c'est Joseph qui n'arrive pas du tout à se séparer de son doudou. Et il va voir que sa mère veut jeter. Donc au début, c'est une couverture de lit. Donc il y a vraiment l'idée de l'accompagnement à la naissance. Et puis à chaque fois, sa mère veut le jeter parce que c'est un objet qui est sale. Et lui n'arrive pas et il va voir son grand-père, le Boubeleu, qui est ailleurs. Donc là, on est dans l'histoire du monde yiddish. Et le grand-père, à chaque fois, arrive à en faire autre chose. Et donc, l'objet, progressivement, prend plusieurs fonctions. Donc, on voit une veste, et puis ça va finir par être un bouton, et puis au final, ça disparaît. Et c'est l'idée aussi, là, de la séparation très progressive qui passe par la transformation d'un objet. Et c'est aussi un objet textile très, très, très précieux d'une certaine manière. C'est le doudou, ce qu'on appelle l'objet transitionnel. Ce que Winnicott appelle de l'objet transitionnel, c'est-à-dire c'est vraiment l'objet qui permet la séparation d'avec la mère, qui permet de se séparer, de se construire comme un soi séparé. Hein, l'idée que la peau est une frontière. Et le textile, d'une certaine manière, permet de aussi, rassure aussi, on a parlé du textile comme une protection, une armure. Le textile ferme le corps d'une certaine manière, parce que ça c'est plutôt un psychanalyste qui s'appelle Didier Anzieux qui dit que le bébé quand il naît pense qu'il est ouvert, enfin il y a cette espèce d'angoisse de l'ouverture, et que le textile est là aussi pour
protéger le corps et aussi pour rassurer en comprenant qu'on est fermé. Et donc il y a un moment donné où on n'a plus besoin de cette, ou moins besoin, disons, de cet objet rassurant, et on peut le... Et puis il y a toute cette tradition textile yiddish du shmatas, qui est le chiffon, et qui fait vraiment partie de la culture juive. Et ici, on a bien cette idée de l'objet qui est réutilisé. La réutilisation du textile, et ça c'est très historiquement, on le retrouve dans plein d'objets, donc là je vous en ai montré deux. Et justement là on retrouve l'action de la doublure, souvent les doublures, ou même si vous allez au musée des arts décoratifs et vous regardez des fauteuils, même des fauteuils assez luxueux, les emplacements des fauteuils qui ne se voient pas sont souvent réalisés avec des textiles récupérés. Il y avait cette idée quand même de... Et d'une certaine manière, on est dans une forme de sobriété dont on pourrait s'inspirer. Et là, c'est cette idée-là, c'est de faire un autre objet, mais voilà, avec en transformant un objet déjà existant. Et il y a des objets qui sont magnifiques au Japon, je ne sais pas si vous les connaissez, qui sont les boro. Maintenant, ce sont des objets précieux qui sont même devenus des tableaux. Là, j'en montre un. Alors là, il est un peu coupé. Si je peux soulever ça pour que... Non, ce sera pire. Qui a été présenté à la galerie Alminresh. Donc, c'est devenu des tableaux textiles. Mais au départ, c'est vraiment une tradition qui appartient à la culture paysanne, pauvre, de justement rapiécer en passant tout à l'indigo. Des textiles quand ils sont utilisés pour en faire d'autres vêtements et beaucoup aussi des linges de lit qui sont bien dans cette esthétique de l'usure, hein, la beauté de l'usure dont on parlait tout à l'heure. Oui, ben c'est du patchwork, mais ce qui est assez beau dans ces patchwork là c'est que les fils, les trous sont toujours là. Enfin, il y a cette idée de... Il y a quelque chose de d'un peu rugueux, de brut dans ces objets qui est très forte. Oui, on sent cette histoire-là. Quand j'étais petite, ma grand-mère, souvent, ils sont très, très économisés, ils sont très, pas radines, mais voilà. Toutes les sortes de tissus qui traînent dans la maison ou ailleurs, qu'elle se collecte. Et après, bah, elle a fait une petite jupe pour moi. Je me souviens encore. J'ai adoré ça. Moi, c'était ma grande sœur avec toutes les chutes de tissu de couture, en fait. Elle en faisait un patchwork, une couverture de lit avec toutes les... C'était très joli, en fait. C'était l'époque, la mode des patchworks. Donc, tous les retombées de tissu, des coutures et tout ça, et tout ça. Enfin, on en faisait des motifs, soit des fleurs, des pétales, n'importe quoi en fait, mais juste vraiment pour établir, récupérer des bouts de tissu pour en faire quelque chose de joli en fait. C'était un peu ça l'idée. Alors que là, c'est aussi une histoire de vie. Là, c'était des tissus nouveaux, des chutes de tissu, alors que là, c'est toute une histoire de vie en fait. Bah là, c'est de génération en génération. Voilà, je pense qu'on sent le temps. Là, l'enregistrement du temps, là, il est énorme. Ouais, ouais, ouais. Il y avait l'idée de ne rien jeter. Et là, je vous ai mis ces petites définitions. Moi, j'ai eu dans une formation dans l'école sur l'écologie que je trouve hyper utile, entre réemploi, réutilisation et recyclage. Donc là, on est dans la réutilisation, quand il y a un changement de destination, de fonction. Le réemploi, c'est quand c'est davantage qu'est-ce qu'on fait avec les vêtements lors d'un deuil. Est-ce qu'on les réutilise? Est-ce qu'on arrive à les porter? Souvent, ça saute une génération pour voir ne pas avoir le poids trop fort des vêtements. Et puis le recyclage, et là, il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé là-dessus, sur le recyclage de textiles qui avaient déjà une histoire familiale. Par exemple, une artiste, Geta Bratescu, qui est une artiste roumaine, qui est morte en 2018, il y a quelques temps, et qui récupérait des vêtements de proches. Donc on a là aussi toujours cette esthétisation de l'usure pour faire des tableaux abstraits.
je vous en montre deux, où d'une certaine manière, on oublie, mais dans le bourreau aussi, on oublie le... Ou progressivement, quand le petit Joseph confie à son grand-père la première couverture, on la perd. Enfin, il y a de la mémoire, mais il y a aussi vraiment de l'oubli dans le champ du textile qui travaille, qui est travaillé par la mémoire. Et là, dans le recyclage, l'oubli est encore plus fort. Et je voulais finir avec l'œuvre de Louise Bourgeois, qui est un livre très, 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 très beau. En fait, où elle décide, donc Louise Bourgeois, elle meurt, est-ce que j'ai noté ça, en 2010, donc elle est à la toute fin de sa vie, et elle est née en 1911, donc elle a vécu très longtemps. Puis elle a été découverte, enfin vraiment connue très tard, comme la plupart des femmes de sa génération, parce qu'elle a tenu, et cette ode à l'oubli, donc elle fait vraiment à la fin de sa vie, elle décide de faire des images abstraites à partir de robes qu'elle retrouve, qu'elle a portées dans les années 20, donc qu'elle découpe, qu'elle déstructure, dont elle fait des petits tableaux, et ces petits tableaux qu'elle inscrit en fait sur des fonds, des pages blanches et une reliure blanche, qui sont les mouchoirs qu'elle utilisait lors de son mariage, enfin qui sont vraiment les mouchoirs liés à son mariage, qui est d'une certaine manière son trousseau. Donc on est encore dans une histoire de trousseau qui lui servent donc de structure pour accueillir les images de ses robes, comme si là c'est d'une certaine manière sa biographie, hein, on est dans quelque chose comme une manière de retracer sa vie par le vêtement, mais qui n'a de sens mémoriel que pour elle. Elle, en voyant ces images, voit les robes qu'elle a portées. Nous, on n'a plus que, d'une certaine manière, le manque et la distance quand on voit quand on est face au livre. Mais ces derniers exemples, c'est aussi pour dire que dans le rapport du textile à la mémoire, il y a quelque chose de lourd, il y a de la violence, la mort rôde, il y a un rapport au deuil. Mais en même temps, dans le champ textile, et là je pense plutôt au champ du design, qui est d'un point de vue écologique extrêmement problématique, enfin c'est dans la consommation d'eau, dans la surconsommation et dans la surproduction de vêtements inutiles, cette question de la mémoire, prendre en compte le fait qu'un textile qui a de la mémoire... et qui peut être utile et peut prendre sens dans ce rapport à la mémoire, c'est aussi justement une invitation à la sobriété, au recyclage, au réemploi, à la réutilisation. Et ça me semble être une espèce de voie assez positive, une ouverture, disons, du côté de l'avenir, et pas seulement la mémoire qui nous tourne vers le passé, mais que cette mémoire-là, en fait, elle est bonne pour les années qui arrivent. Voilà. La collection Richelieu avec les échantillons. Les échantillons de toute une époque, et là c'est l'échantillon de toute une vie en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Et par couleur. Enfin, dans le... Et sa mère n'était pas tapissier. Si, il y a un rapport très. Un hommage. Oui. Ah oui, les parents étaient en France, parce qu'après elle a vécu à New York, mais ses parents étaient dans la tapisserie, et la grande figure maternelle, c'est l'araignée, là, c'est sculpture, oui, c'est l'araignée, c'est aussi une figure textile, enfin c'est une grande tisseuse. Ouais. Bravo, super. Ouais. Ouais. Merci.